La réserve de Serpent River sur le bord du lac Huron, au nord de l'Ontario. C'est ici que Tamara Malcolm a trouvé refuge il y a 8 ans pour mener le combat de sa vie. It feels really good to have my kids here with me because I've never given up trying to get my kids back. This is maybe the 5th time now. In 10 years. Yeah. C'est la 5e fois seulement en 10 ans que les fils de Tamara ont le droit de la visiter chez elle. Yes. La Manitobaine a refait sa vie avec un commerçant de la réserve, un Anishinaabe comme elle. I really enjoy having them here with me. It makes me feel like a whole again. Quand ils reviennent chez leur mère, les enfants retrouvent leur identité autochtone et osent être eux-mêmes. Les repas en famille sont des cercles de discussion. On se parle pour atténuer les tensions entre frères qui n'ont pas vécu ensemble depuis plus de 10 ans, depuis ce jour d'octobre 2007. Lee, qui avait 7 ans à l'époque, revient de l'école avec des blessures à la tête. Tamara l'emmène à l'hôpital sur le champ. C'est là que tout bascule. So they ended up coming in the room and arresting me and reading me my rights and handcuffed me right in front of my boy and he was just crying and I was crying because I've never been arrested before. La police, qui la soupçonne d'avoir frappé son fils, l'interroge pendant 11 heures. Dès sa libération, la maman se précipite à l'hôpital, mais trop tard. Lee est déjà parti, prise en charge par la protection de la jeunesse. Au même moment, des agents débarquent chez la mère de Tamara et emmènent ses 2 autres garçons, dont le bébé de 7 mois. You feel very lost. Your soul just feels like it's just damaged. You feel like you can't think, you can't eat, you can't sleep. You're continuously have a pain in your heart, like as if you just lost somebody who's died and they're not coming back. Finalement, l'accusation de voie de fait contre Tamara est abandonnée. C'est son conjoint de l'époque qui est condamné pour avoir frappé son garçon. Après cette journée qui le marquera à vie, Lee connaîtra 8 familles d'accueil en 8 ans. I grew up feeling like I did something wrong to where left them no choice but to separate me from my family. Why do you think they take children like you away from your family? I think it was they took advantage of our situation. My mom was in a really damaging relationship. I grew up watching her be hurt by men. Men putting their hands on her in the wrong ways. Tamara se sépare immédiatement de son conjoint violent et tente de récupérer ses 3 garçons. Mais elle n'aura aucune nouvelle d'eux pendant 1 an. They should have told me what happened. I feel so hurt that people could just not tell you things and just leave you clueless. Comme bien des mères qui perdent la garde et la trace de leurs enfants, Tamara se met à boire. I'm smudging my kids because they came home and... Des cérémonies traditionnelles comme le smudge, une forme de purification qu'elle fait ici avec ses enfants, l'aide à se relever. Depuis 2008, elle ne boit plus, ne fume plus et ne consomme aucune drogue. Mais la souffrance de ses fils continue de la hanter. Physical, sexual and emotional abuse. Everything that consists of the things that happen to our people in the residential school is still happening to our children today in these foster care system. And I have to be the one to pick up the pieces to where these people had damaged my children. I remember being ripped away from my cuckoo's arms. L'adolescent dont nous devons protéger l'identité avait presque 5 ans quand un policier l'a arraché des bras de sa grand-mère. Il n'a pas revu sa mère pendant 4 ans. I was told that she had passed away, and I did believe that for a while.
Un jour, l'enfant a un choc en voyant sa maman, qu'il croit morte, à la télévision. Elle explique qu'elle marche de Winnipeg à Ottawa pour tenter de récupérer ses enfants. I was told that my mom didn't want to have me back and that I was and she was told that I didn't want to live here. And that so that kind of created a block between us. Why do you think they kept you away from your mom so long after she got her act together? Felt they wanted to strip me of my identity and my culture and just everything that I thought I knew. Lee est aussi convaincue que si les enfants demeurent en foyer d'accueil longtemps, c'est pour des raisons d'argent. Turn them into a paycheck. Is that how you feel? That's how I felt most of the time, as a paycheck.